Salut à toutes, salut à tous, je suis Julien Bondia, merci de nous suivre sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, mise en pratique du coup droit et du revers coupé. Alors, deux vidéos précédentes avaient eu lieu, donc je vous invite à les suivre en cliquant sur le lien ici pour découvrir techniquement comment réaliser le revers coupé et le coup droit coupé. Je ne vous laisse pas patienter plus longtemps, on continue tout de suite avec la mise en pratique du coup droit et du revers coupé. C'est parti. On commence avec le revers, puisque c'est le coup le plus naturel. Et ensuite, on viendra sur la sortie de vitre au coup droit et on terminera par le coup droit de façon directe, d'accord? Ce qui est peut-être le plus compliqué pour nous. Allez, c'est parti. Alors, le revers coupé, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez naturel. Donc, même si la balle est basse, j'arrive quand même à faire un revers coupé, d'accord? Voilà, quand je suis ici, j'arrive à couper assez facilement mon revers, même à aller jouer long de ligne, ça, c'est pas un problème. À aller jouer un lob aussi, d'accord? J'arrive assez facilement à tout faire avec mon revers coupé, ok? Donc, vous voyez, c'est assez naturel, je n'ai pas besoin de forcer vraiment beaucoup pour arriver à sortir en revers coupé. Maintenant, on va passer côté coup droit. Le coup droit coupé en sortie de vitre. Qu'est-ce que je peux faire avec ce coup droit en sortie de vitre? Allez, donc là, on y va, donc je prépare ici et j'arrive à couper ma balle, ok? Donc ici, je prépare et j'arrive à passer sous la balle pour la couper, d'accord? Je suis ici, j'arrive à couper mes balles, que ce soit en sortie de vitre, tendu, ok, que ce soit en chiquita, d'accord, ou que ce soit en lob, ok, j'arrive à sortir tout ça assez facilement avec mon coup droit coupé en sortie de vitre. Maintenant, si on veut passer de façon directe avec mon coup droit, la première chose que je vous proposerai, c'est de le travailler avec une balle qui viendrait haute des adversaires, qui rebondit ici, d'accord, mais qui ne vient pas toucher la vitre. La balle, elle va rester là, et moi, je vais pouvoir préparer et passer dessous avec mon coup droit coupé. Allez, on essaye. Voilà, donc là, on a le temps ici, et là, je peux venir couper ma balle, d'accord? Voilà, donc là, je prépare, je suis ici derrière, et là, je peux couper ma balle. Donc ça, c'est vraiment la chose que je vous inviterai à faire pour apprendre à jouer ces coups droits coupés, d'accord? Donc je prépare ici, j'ai le temps. Et là, je peux venir chercher ici, ok? Allez, donc la dernière, ah, c'est peut-être un peu longue, hop là, la dernière, voilà, et hop, je peux venir chercher, là c'était compliqué, j'aurais dû la laisser passer, là voilà, ici je l'attends, et là je peux venir chercher. Donc ça, c'est pour le coup droit coupé de façon directe que je vous apprendrai, enfin, que je vous inviterai vraiment à pratiquer lorsque vous êtes débutant et que vous voulez commencer vraiment à travailler le coup droit coupé de façon directe. Ça, c'est la base. Et ensuite, donc, on arrive à ces coups droits coupés que jouent les professionnels actuellement, c'est-à-dire la balle, elle va arriver et je vais la couper pour jouer une chiquita derrière ou pour jouer un lob tendu. D'accord? Allez. Donc là, voilà, je vais pouvoir venir presser tout de suite, d'accord? Donc là, ici, ça c'est un sorti de vitre, on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Ici, voilà, et là, hop, je vais pouvoir chercher mon lob et venir les mettre directement sous pression, d'accord? Avec ce coup droit coupé. Là, ici, hop, je décide de partir sur une chiquita et je pars vers l'avant, ok? Donc, si vous regardez à chaque fois, ce coup droit coupé va me permettre, en fait, de venir tout de suite mettre la pression sur les adversaires. Donc là, on arrive et hop là, je vais jouer un lob tendu coupé. Donc, en fait, ce lob tendu coupé va permettre, en fait, après le rebond, que ma balle reste très proche de la vitre derrière, ok? Donc, on fait un mélange d'un petit peu tout, les revers, les coups droits, les sorties vite, et on va essayer de jouer tout ça de façon coupée. Voilà. Là, je peux jouer coupé. Ah, la balle arrive haute, je prépare. Et là, je peux accélérer. Très bien. Ok. Ici, hop, je joue ma chiquita, je vais avancer. Là. Ici, hop, ça arrive doucement, je peux couper en revers. Pas de problème. Là, la balle, elle est haute. Je vais ici. Et là, je viens couper, je vais gagner le point. Là, ici, hop, je joue ma chiquita et je la suis. Ok? Voilà. Ici, en revers. Hop là, c'est un peu compliqué, je passe dessous, je fais un lob. Allez, encore une ici en haut, et là, et je gagne le point. Ah, ici, c'est derrière, c'est un peu compliqué, et bon, c'est pas grave, je peux faire quand même. Ici, voilà, je coupe. On va essayer la sortie vite, donc la balle est là, ici, et hop, je passe dessous, et je la suis. Ici, là, a ver con la salida de pared, si me la puedo jugar más baja la pared. Ah, c'était difficile, bien joué. Allez, voilà, donc là ça vient ici, je lève, et là je peux attaquer derrière. A ver, abajo, voilà, ça, et hop là, c'est dessous, j'ai loupé complètement.
Allez, donc c'est ici derrière. Et hop là, je peux passer dessous et là-dessus. Ok? Allez, la dernière. La ultima, por favor. Donc là, je lève, je peux couper et aller vers l'avant. J'espère que vous avez bien compris tout ça, d'accord? Quel coup vous pouvez réaliser avec votre revers coupé, votre coup droit coupé, mais vraiment la chose la plus importante, allez-y, s'il vous plaît, pas à pas, petit à petit, pour bien comprendre quel coup vous pouvez jouer avec votre paddle. Ça y est tout pour aujourd'hui, à très bientôt, salut !